Ami pêcheur à la mouche, vidéo sur le vif. Voilà, là, non mais là il fallait que je vous montre. Donc j'ai reçu mon épuisette d'Arocha. Donc je vous le dis tout de suite, d'ici un ou deux ans, David il va être très occupé parce que là, bon, c'est pas, voilà, c'est pas des choses qu'on peut produire à la chaîne. C'est... Honnêtement, je n'étais pas trop branché épuisette parce que je vous l'avais dit, c'était vraiment trop lourd pour moi. Donc le classique, une fiche-ponde, une merde là, faite au Mexique. 500 grammes, voire 600 grammes avec des bois ultra lourds parce que bah, ils sélectionnent pas. Et David d'Arocha, il les sort à 200 grammes. Je sais pas si vous imaginez. Donc là, t'as de quoi mettre une 60 hein, dans l'épuisette. Alors, cette taille-là, je dis pas. Si tu pêches des trophées en réservoir ou en Patagonie, c'est peut-être un peu petit. Mais pour nos truites françaises de 50 à 60 pour les meilleurs, putain, non mais regardez-moi cette finition. Non mais là, je suis désolé, mais je suis amoureux quoi. 200 grammes. Malheureusement, je vais être très méchant, mais c'est vrai, la plupart des épuisettes en France sur le marché font le double de poids. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai abandonné les épuisettes en bois, je suis vraiment désolé. Mais 400 grammes, une épuisette en bois, c'est pas possible. Quoi. 200 grammes, regardez ça le détail. Je sais même pas, je suis pas très bon, je sais pas ce que c'est comme bois, je sais pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, il le fait bien. C'est une dinguerie. Voilà, donc, je voulais vous présenter cette dinguerie. Voilà, c'est Cédric Nolin qui m'a présenté David d'Arocha. Je vous mets son numéro de téléphone ici. Pour le moment, contactez-le par téléphone. Alors, je pense qu'il met entre 3 semaines et 1 mois maintenant, parce qu'il va y avoir beaucoup de demandes quand tu vois la qualité. Non, mais regardez ça, regardez ça. Regardez ça, la précision du gars. Voilà. Alors, lui, il travaille le bois à la base. Je crois qu'il est charpentier de métier. Non, mais regardez-moi ça. Non, mais... Voilà, on va vendre ça sur le marché américain. On va appeler ça Smoky Cedar. Je sais pas, franchement, je sais pas c'est quel genre de bois. Non, mais c'est une dinguerie, quoi. Voilà. Voilà, ta. Donc voilà, contactez-le directement parce que moi je suis trop occupé. C'est juste vraiment pour présenter un objet d'art. En fait, moi c'est pas pour moi, c'est pour lui que je le fais parce que c'est exceptionnel un artisan comme ça. Donc David d'Arocha, il y a son numéro de téléphone. Voilà, je fais juste par téléphone. Ça sert à rien de me contacter moi parce que je n'ai pas le temps. Je préfère que vous alliez le voir lui. C'est lui le spécialiste de ça. C'est une dinguerie. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas une fois de plus, tout ce qui est sur le marché français, malheureusement, c'est le double de poids. C'est insupportable, hein. Une épuisette qui fait 500 grammes, c'est insupportable. Et là, on est sur du 200 grammes. Et tenez-vous bien, il peut même les faire plus légères en affinant le manche. Donc voilà. Bon, il sera très occupé les prochaines années, je pense, David. Donc sautez sur l'occasion. Voilà. Moi, je vais aller pêcher avant que ça flotte. Voilà. Épuisette d'Arocha. Il y a son numéro à David ici. Il n'y a rien à dire. Le produit parle de lui-même. Regardez, je vous fais là. Alors, non, mais c'est une dinguerie, quoi. Voilà. Tu peux filocher, hein. Un gros loukoum comme moi, ça se filoche. Donc, non, mais c'est. Non, mais regardez ça, non, mais franchement. Non, mais regarde ça. Non, mais regarde. Le bois fumé, je sais pas. Enfin, c'est une dinguerie. Et ça pèse 200 grammes. En fait, même la plupart d'entre vous ne me comprennent pas. Je répète, ça pèse 200 grammes. 200 grammes. 200 grammes, c'est rien. Vous pouvez le mettre sur la balance, 200 grammes. Voilà. Donc, bon, je fais pas souvent des vidéos pour promouvoir les produits des autres. Mais alors là, franchement, désolé, peut-être que j'exagère un peu. Mais enfin voilà, je peux pas faire mieux. Quoi. Voilà. Allez, à bientôt. Je vais aller en filocher une avec ça d'ailleurs. Bonne journée à vous et à bientôt. Ciao, le numéro de David, il est là. Bonne journée, ciao.